Puis je pense que, tu sais, on a réussi à avoir du fun toute la journée quand même que c'est quand on a joué de la musique ou qu'on a dansé. Et quel danseur, ce Sergi! On avouera qu'il a tout qu'un mouvement de bassin. On avouera que sa petite copine, dont le nom est Secret, est très chanceuse. Parce qu'elle ne doit pas s'ennuyer avec Sergi. Tansi. Dansi. Tansi. Oh, Tansi. Tansi. C'est dansé. Tansi. Tansi. Quel Tansi. Écoute, Sergi, qu'on le veuille, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il y a une sacrée bonne bouille. J'aime bien son petit sourire espiègle, parce que quand on le voit, il est espiègle, parce que on avouera que, tu sais, hein? Oh oui. En tout cas, à moi, il m'a pas souri tout le temps, tu sais. Mais quand même. Oui, je sais, je comprends pas, mais quand même. J'ai passé une très belle journée avec toi, mais je dois avouer sincèrement que passer la nuit dans la même chambre que toi me fait quand même un peu peur. J'ai peur d'avoir ton souffle au-dessus de moi pendant la nuit, et peut-être, ça va peut-être être ma dernière nuit aujourd'hui. Donc, je tiens à profiter pour dire merci pour la journée. Et chers amis, si demain, je ne me réveille pas, je voulais tous vous dire que j'ai vraiment apprécié ces 8 semaines et quelques avec vous. C'est moi qui est en face de son lit? Ouais, mais quand même. Non, mais toi, ça va être sexuel. Ouais, mais... sexuel, là. Ouais, c'est peut-être plus mortel. Pas d'immunité, mais... Ouais. Et voilà. Merci. Merci. Merci, Sergi. Bon. Je crois que la majorité des points ont été mentionnés, mais je dois admettre que l'arrivée de Sergi aujourd'hui a été comme une bouchée d'air fraîche. Peu importe. Ça fait du bien, je pense, à tout le monde. Ça fait maintenant presque 9 semaines qu'on est dans l'offre ensemble. On n'a pas vu d'autres visages à part celui de la petite Rose. Sergi est un homme extrêmement spirituel, puis je pense qu'il a inspiré beaucoup de nous avec sa musique et son yoga que j'ai expérimenté avec lui. Ben oui. C'est pas ce que j'ai ressenti en plus. Sergi a amené ses vibrations positives dans le loft et croyez-moi, je les ai ressenties quand j'étais en face de lui. Vous savez pas les feelings que ça donne. Mais en tout cas, c'est très pur. Et puis, ben, je suis extrêmement contente de son arrivée dans le loft. Je sais pas combien de temps il va rester. C'est sûr que j'aimerais savoir aussi son background, de où il vient, s'il est marié, s'il y a des enfants. On sait qu'il y a une blonde, mais blonde, est-ce que c'est femme? Est-ce que c'est blonde? Il n'y a pas de blonde. Oui, mais fait, en Europe, des fois, ils mettent ça de ce main-là. Hein. Pour vrai? En Grèce, les Grecs, ils l'ont sur cette main-là. C'est vrai, mais c'est... Oui. Donc, on ne sait pas... en tout cas, c'est sûr qu'on est capable, par exemple, de communiquer, de s'exprimer avec les regards. Les regards, des fois, du tout. Puis les gestes, on s'arrange pas mal. On est capable de se comprendre. Mais Carmen! C'est drôle! Il m'appelle Carmen, je sais pas pourquoi, mais il est charmant et je suis très contente qu'il soit ici. Ça fait différent de voir lui Carmen. Que de voir toujours les mêmes visages. On est tanné de se voir, on se l'admet. Donc, bienvenue dans l'offre, Sergi. Puis, Sergi. Et puis, c'est ça. Je pense que tout a été dit. Ouais. J'aimerais rajouter un point. Pas l'histoire de la calotte. Non, sur ce que Sébastien a dit tout à l'heure. Que c'était le fun d'avoir quelqu'un de nouveau dans l'offre, qui ne s'exprime pas de la même manière, qui ne vient pas du même endroit, qui ne vit pas de la même manière. Je suis content maintenant de ne plus être le seul à ne plus m'exprimer de la même manière et de ne pas venir du même endroit que vous, mes amis. Merci. Ouais. Merci, docteur. Giacoglio. Giacoglio. Dobra. Il s'est pas lu. On est content de t'avoir avec nous. Posmishka. Giacoglio. 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 On t'aime. On t'aime.
On t'aime. Je l'ai bidiche. Merci. Thank you. Et to be here. Merci d'être ici avec nous. On a de la place pour dessert. Carmen. Hello, t'as Carmen. Il est mieux de me rester un carré. C'est mon idée. On devrait les laisser de l'autre côté. Je vous avertis. Ouais. Okay. C'est risqué, hein? Est-ce que vous me comprenez bien? On devrait les laisser de l'autre côté. Cache-les. Faut pas que je... Moi, j'en ai pas besoin tout le temps, mais si un jour... Pour te dire la vérité, moi, je vais en manger un morceau jusqu'à dimanche parce que j'ai pas le goût d'avoir trop de sucre ou de manger trop de cochonneries. Puis les sacs de chips, je veux rien savoir. Je sais pas qui les a pris. Non, je le veux pas non plus. Sérieux, veut parler de... J'ai des noms. Oh. I saw that. De quoi? She saw that. Mais, c'est ça. Non, il y a une journée dans la semaine où j'ai mangé un corps. C'était de la sauce dans le truc, hein? L'autre coup. Ouais. Il y a une journée dans la semaine où je vais avoir envie de manger un carré de gâteau making. Moi aussi. Et j'espère qu'il va en avoir. Moi aussi, une journée, un morceau d'acide. J'en mange pas, moi. J'espère qu'il va en avoir un morceau. I don't eat that. Keep dreaming. Ça rentre pas chez moi. Mon père voit ça dans le freezer, il le met au vidange automatiquement. Moi, ça m'arrive une fois par année, ça me tente. Genre, du lait dans un bol, puis après, tu mets un petit corps. Imagine, là, t'es couché, là. Genre, on l'a fait, mon premier. On a envie d'un gâteau McLean. On est allé jusqu'à l'épicerie. Après, ça, je sais pas. On a mangé des bonbons. Chacun une fourchette. Ouais, mais quelle, la poulet à l'érable. Quelle, ça s'est mis. Ok, je pensais. Est-ce que t'en vas encore? C'est dobre. Dobre. Ça, c'est le mot. Kozak. Ouais, Seb, tout un Kozak, man. L'appétit du guerrier. La paille, la portion du Kozak, man. Un guerrier, faut s'assurer. C'est clair. Sinon, on combat. Kozak. You like? Dobre. Il y a le repos du guerrier. Il y a la bouffe du guerrier. Puis Dieu sait que cette semaine, on est en guerre. C'est clair. Je pense que c'est comme